Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous proposer encore une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous reparler encore d'elle parce qu'elle est vraiment bien, on peut faire des trucs de ouf. Certains d'entre vous ont vu sur Instagram cette photo et du coup ont vu comment c'était réalisé avant, après. Et aujourd'hui en fait je vous montre plus ou moins tout le processus que j'ai fait, sauf que là cette fois je le fais avec Ligaia qui est une streameuse de 16 millions d'abonnés. C'est une blague mais vous verrez dans la vidéo Jokes de Papa 3. Enfin voilà, vous verrez. Petite précision, dans la folie des grandeurs, il y a une étape que j'ai loupée et que du coup Ligaia a faite. Donc vous la voyez enfin, mais c'est pas la version que j'ai postée, c'est la version qu'elle, elle postera. Donc Ligaia, merci pour cette étape parce que t'as fait ça super bien. Bonsoir. Ah non, bah non. Ah non, il est 11h30, du coup, bah bonjour. Du coup, je trouvais ça marrant de faire un live directement à mon réveil. J'espère que vous allez bien à la vôtre. Hein. Donc en premier, comme vous pouvez le voir sur ce setup, j'ai fait un setup en 3 points. Vous avez la key light qui est en face, donc c'est cette étrange lumière à gris. Ensuite, vous avez la field light derrière qui est un panneau LED. Et ensuite, bah, la light d'ambiance, donc la Vigim VL2 qui simule la présence de l'objet 3D, soit le logo Twitch. Petite parenthèse, la Vigim VL2 que j'ai présentée dans cette vidéo, c'est extrêmement bien vendu, donc je vous remercie énormément pour votre confiance, ça me touche énormément. Je suis très très satisfait, le magasin est très content aussi. Et du coup, aujourd'hui, je vous propose finalement encore une mise en situation qu'on peut faire avec cette LED, et je pense que je vais travailler de plus en plus avec, du coup, sur Instagram notamment. Et du coup, m'en acheter une deuxième pour augmenter les possibilités. Du coup, là, j'ai eu un problème. Le problème qu'on a, c'est que la lumière, en fait, n'est pas à l'intérieur de la main. Le logo va être là au final, donc s'il y a de la lumière là, c'est illogique. Donc il a fallu que je trouve le moyen de le faire, et donc c'est à ce moment-là que ce charmant jeune homme a bien voulu nous aider à tenir la light en fait pour positionner l'effet de lumière correctement vis-à-vis du modèle 3D. Donc on va partir sur cette photo là, c'est celle que je vais choisir et celle qu'on a choisie. Je vais laisser ça comme ça, là on est vraiment pas mal, je suis content, j'ai ce que je veux. Là c'est le moment où je peux me faire défoncer par Atom dans les commentaires, on va pas se mentir. Là je suis serein parce que je sais qu'il est pas là sur ce stream, et par contre quand il va être là sur la vidéo YouTube, un bonheur ce café là dès le matin à 11h30. Parce que là, quand c'est le matin comme ça là, envie de fumer, boire le café, tu vois, hop, et normalement là on a notre background, yes. Eh bien écoutez, c'est fini, là-dessus c'est bon. Donc on va passer sur After Effects. Alors, la première chose, ça va être ça. Ensuite, on va rajouter ici EXR. Bon, là, on arrive sur la fin qui va être un peu plus amusante. Parce que du coup, on a fini la composition de l'image. Du coup, là, moi, c'est la partie un petit peu plus rigolote. Parce qu'on a fini de travailler toutes les ressources qu'on avait besoin. Donc là, on va être vraiment sur l'effet en pur et en dur. Shoot me down soon.
Comme vous avez vu, sa dernière retouche, elle est fantastique. Merci encore à toi, Ligaïa, de t'être prêté au jeu et d'avoir apporté une touche finale à cette photo. Donc évidemment, vous avez ses liens dans la description, son Twitch, son Instagram, son Twitter. Voilà, merci à tous d'avoir regardé sa vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, comme d'habitude, je le dis depuis un an, c'est toujours un plaisir d'en faire et de vous proposer ce genre de contenu. J'espère que surtout à vous, ça va vous plaire. Si c'est le cas, pour me soutenir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Regardez aussi le lien si vous vous êtes intéressé par la LED. Vous avez un code promo de 10% dessus. Beaucoup de belles choses arrivent sur la chaîne. Je suis très content et très excité à la fois. Donc, si vous voulez voir les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Mettez en plus la cloche. Et moi, je vous dis à bientôt. Won't stop.